J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dont j'ai vraiment trop honte. J'ai vraiment trop honte, shame on me. Je détache mes nattes après un mois. Pendant un mois, moi Hélène NK, votre youtubeuse, j'ai pas lavé mes cheveux parce que je portais des perruques. Franchement j'ai trop honte. Au début c'est parce qu'il y avait les examens. Après c'est à cause de la flemme. Je vais pas vous mentir, c'est à cause de la flemme. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous montrer ce que ça apporte et les inconvénients. Comme ça, vous allez voir la réalité. Il y a un an de cela, il y a une youtubeuse, je pense qu'il s'appelle Eva Travel. Elle avait fait une vidéo, les braids ont pourri mes cheveux. Mais le problème, c'est que elle disait plein de bêtises dans sa vidéo. Mais moi, je me dis, vous voyez, c'est par l'ignorance. Je vais vous montrer genre mon petit secret qui a, en quelque sorte, conservé déjà mes baby hairs et qui a encouragé ma pousse. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si mon contenu te plaît, si tu aimes ma chaîne, si tu aimes ce que je fais, je t'invite à t'abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Déjà, ce que je vous conseille pour détacher tout ce qui est nattes collées et tous les effracatas sur votre tête, c'est ce fameux peigne à queue, voilà, avec la queue de métal comme ça. Tout simplement parce que cette queue de métal, elle est toute petite et nos cheveux, ils sont grave emmêlés. Ça passe partout et c'est un gain de temps pas possible. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mes braids derrière. Parce que comme je vous ai dit et comme je vous l'ai dit tous les jours du 1er au 31, je ne sais pas faire de nattes collées. Donc derrière, j'ai des braids. Devant j'ai des semi-nattes collées. J'ai vraiment peur de me retrouver avec des tonnes et des tonnes et des tonnes. Comme j'ai détaché le bout avec mon peigne à queue, là vu que c'est une grosse braid, je peux facilement la détacher à la main. Vous choisissez la méthode qui vous plaît le plus, mais moi pour les grosses tresses comme ça, je préfère choisir mes mains. Voilà la famille, voici à quoi ressemblent des cheveux sur lesquels on n'a mis aucun produit pendant un mois entier. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de saleté. Pourtant, je me suis pas lavé les cheveux pendant 3 semaines et demie. Ouais, ils sentent bon, hein. Ils sentent les produits Yemaya, quoi. Je sais que vous, vous adorez la longueur. Voilà. Ça dépasse le soutif. Que si je tire, je vais perdre des cheveux. Mais en même temps, c'est normal. Je vais détacher les autres braids qui sont à l'arrière de ma tête. Et je vous retrouve pour l'avant parce que c'est l'avant de la tête qui est le plus important. Danseur Nigas with enchaînement. Et... Bon, là on reprend les choses sérieuses. Moi quand je me coiffe et quand je me maquille, je mets toujours de la musique. Les filles qui ne mettent pas et les garçons même qui ne mettent pas de la musique en se préparant, je vous comprends pas. J'ai détaché tout mon effracata derrière là. On arrive aux choses sérieuses, on arrive aux choses qui vont m'énerver. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pendant ces un mois, je n'ai pas lavé mes cheveux. Ce qui n'est pas très bien, moi en tout cas je vous le déconseille. Si vous voyez que j'ai encore mes baby hairs et que mes baby hairs ne sont pas tout crasseux, c'est grâce à un seul et même produit. Les gens ils vont dire, ouais tu fais ta promotion, c'est faux, tu n'utilises pas tes produits. Vous pensez vraiment que moi je peux vous vendre des produits que moi-même je n'utilise pas? Tous les produits que j'utilise sur ma tête de A à Z, c'est des produits de ma marque Yemaya Haircare. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, vous faites vos commandes en DM, on livre partout. Pendant un mois, j'ai fait la cure d'un produit parce que carrément c'est une cure parce que j'ai utilisé que ce produit devant là, chaque soir et entre mes nattes collées comme ça là, le spray, donc c'est un spray qui se nomme spray Vosentiel. Est-ce que ça va faire le close-up? Yes, ça fait le close-up. Donc ça, c'est le spray de ma marque Yemaya Haircare. Il est de 60 ml parce qu'on n'en met pas énormément. C'est un spray qui stimule la pousse de vos cheveux. Je n'ai pas dit que du jour au lendemain vous allez avoir des cheveux 26 pouces, mais franchement, spray Vosentiel m'a permis de boucher le petit trou qui commençait à se former vers ici. C'est mes vidéos précédentes, mais vraiment précédentes. Et vous allez voir que Hélène, je ne sais pas pourquoi, pourtant je prends très bien soin de mes cheveux, commençait à avoir des petits trous, pardon,
Je pense que c'est à cause du fait que je faisais que des chignons. Voilà, que des chignons très très serrés. Je vous ai déjà parlé de ça, de l'alopécie de traction qui touche beaucoup de femmes afro. Toutes celles en fait qui portent des extensions capillaires, toutes celles qui sont obligées de faire des coiffures serrées, tout simplement parce que à force de serrer, cuir chevelu devient irrité. Et à force de serrer, les cheveux commencent à tomber parce qu'on les malmène. Tu tires ça, des tout petits cheveux, tu les tires à fond. Normal qu'au bout d'un moment, ils aient envie de partir. Le chevelu a trouvé son meilleur ami, spray essentiel, 7 euros. Je vous lis la composition. Donc déjà, de une, vous avez de l'eau, de l'huile de ricin, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'amande douce, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de la protéine de riz, de la vitamine E et du collagène végétal. J'ai déjà eu des retours de clientes et franchement, il n'y a que du positif. Et puis, genre le produit, il est fini. Comme il est à base d'eau, d'huile, il faut le secouer. Vous pouvez voir genre le gras. Vous pouvez voir genre comment c'est gras. Je vous vends pas de l'eau, je vous vends un vrai produit. Ce que je faisais chaque soir, c'est je secoue. Là, j'en ai plus. Vous entendez? Je secoue et c'est simple. Tu masses un peu. Ce que je vous conseille vraiment pour avoir des baby hair tout doux, etc., sans produit, c'est de prendre une brosse en poil de sanglier. Là, la mienne, je l'ai pas. Et de brosser vos cheveux en arrière, genre tout doucement. Ça sert à rien de vous casser la tête. C'est ce que je vous ai dit. Plus c'est simple, mieux c'est. Plus c'est simple, plus tes cheveux vont pousser. Plus c'est simple, plus tes cheveux vont comprendre. Tu mets 1250 produits. Tu ne sais pas quel produit marche avec toi. Je pense que je vous ai un peu saoulé. Là, on va voir la réalité. On va commencer à détacher les braids de devant. Là, la famille, je suis en train d'arriver à la fin. Franchement, je pense que les filles et les femmes noires devraient avoir des diplômes. Parce que nous avons beau dire tout ce que nous voulons, le cheveu crépus, c'est un cheveu de qualité, mais qui prend trop de temps. J'ai pris genre plus d'une heure pour détacher. Pourtant, je suis pas lente, hein. Je suis pas lente. Il me reste une natte derrière, là. Franchement, je suis contente. Mes cheveux ne se sont pas trop cassés. Je vais vous ramasser tous mes cheveux que j'ai perdus là. Là, je vais aller appliquer le masque Yemaya Haircare à base de prêle des champs, de miel et de thé vert et d'huile d'avocat. C'est sûr que j'ai de la casse. Et voilà, tout le monde a de la casse. Et surtout, j'ai gardé ces nattes pendant un mois. Donc, c'est un peu normal. Comme vous l'avez vu, mes cheveux au bout d'un mois n'ont pas pourri. Pour vous dire que les cheveux qui pourrissent, c'est faux. Les seules choses que vous voyez à l'avant ou quand vous détachez vos braids, c'est des résidus de produits. Si tu mets du gel, c'est tout à fait normal d'avoir des résidus. Si tu mets des edge control, c'est tout à fait normal de mettre des résidus. Justement, pour celles qui, quand elles ont leur cornrows ou leur braid, mettent des produits, c'est normal d'avoir des résidus. Je pense que tu mets de la crème capillaire tous les jours, mais tu ne peux pas te détacher les cheveux, tu ne peux pas te laver les cheveux. Tu penses réellement que tu ne vas pas avoir de résidus, mais c'est normal. N'écoutez pas ces bêtises. Quand vous faites des braids, que vous gardez un mois, quand vous faites des nattes collées, que vous gardez un mois, vous n'avez pas de moisissure dans les cheveux. Ça, c'est complètement faux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Aussi, mon ami, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Hélène.nkm sur Instagram et Hélène-557 sur Snapchat. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Parce qu'on a besoin d'être nombreux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye à la prochaine vidéo. Bye. Regardez la texture qu'ont mes cheveux à l'application du Deep Conditioner Nourris-moi qui est vendu à 16 euros. Regardez. Look this definition. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pour les commandes, je vous ai dit, commande en DM sur la page officielle Yemaya Haircare. J'ai fait une promotion. C'est le kit complet à 35 euros au lieu de 39 euros. Voilà quoi.